ta priorité numéro une doit être de devenir et pas d'obtenir. Imagine que tu sois 10 fois plus, que tu sois 10 fois plus sérieuse, que tu aies 10 fois plus confiance en toi, ou je dirais en Christ en toi. Ferme les yeux. Que tu sois 10 fois plus audacieuse, 10 fois plus humble, 10 fois plus aimante, 10 fois plus patiente, 10 fois plus disciplinée, 10 fois plus productive. Maintenant, demande-toi, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? En réalité, ça va tout changer. Tout va changer. Amen. Donc, tu vois que ça ne commence pas par il faut que je joue une entreprise, il faut que je fasse des investissements. Non, ça ne commence pas par là. Ça commence par travailler sur mon être intérieur. La réussite, ce n'est pas avoir un bon projet. La réussite, ce n'est pas avoir de bonnes idées. Tout le monde a de bonnes idées. Des fois, les gens te disent, elle a piqué mon idée. Avant que tu aies l'idée, il y a peut-être 3 000 personnes qui ont eu l'idée avant toi. La question c'est, auras-tu le niveau de diligence nécessaire pour mettre en œuvre l'idée que tu as eue? Auras-tu le niveau de discipline nécessaire pour mettre en œuvre l'idée que tu as eue? Donc tu vois qu'il faut que tu travailles le être avant de faire. Et le faire avant d'avoir. Fais ça et je te donne assurément rendez-vous au sommet et pour longtemps.